à tous et à toutes, c'est Kenshin Emo de la Kaiju Channel et on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, ça fait genre une semaine à peu près que j'ai pas fait de vidéo sur Crash Bandicoot, donc désolé encore du retard. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de choses en ce moment, enfin j'avais, les deux derniers jours j'avais beaucoup de choses et là j'ai fait une vidéo alors que je suis un peu fatigué. Ouf, j'ai quand même peur de ce machin que je connais pas. Et donc oui, ça fait plaisir quand même de se revoir. Est-ce que j'ai... Ouais voilà, j'ai zéro vie. Ah d'accord, j'ai zéro vie. Ah d'accord. Ah bah... On va pas durer très longtemps, je pense, aujourd'hui. Hein. Ça va un peu être compliqué. Ah bah d'accord. Ah, ça tue pas. Bon, ça va. Alors là, il faut avoir le timing parfait. Sinon, ça ne passera jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Ah, il a l'air content. Ah! Il a plus l'air content. Donc là, ça passe. Ah, mais du coup, j'ai rouillé. Enfin, je veux dire, j'arrive pas à faire la moitié des trucs que je faisais avant, quoi. Bon, ça peut le faire encore. Ah, checkpoint. Alléluia. Alléluia, checkpoint. Ouais, donc ouais. Je fais la vidéo alors que, voilà, j'aurais pu ne pas la faire. Parce que je n'ai pas encore récupéré. Voilà. Je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà. Voilà, voilà. Rien de triste, au contraire. C'est plutôt positif. Mais voilà. Oh là 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 là. Non, bah. C'est cheateux, monsieur, c'est... J'entends d'esquiver des trucs, il se passe rien du tout, là. J'ai encore un aquacou. Il me fait peur, ce machin, là. Il me fait peur. Même quand il saute, il me fait peur. Je sais même pas si on peut le tuer. Ah, d'accord. Donc on peut pas... Attends, je vais quand même prendre le checkpoint. Je sais pas pourquoi, parce que de toute façon, quand on fait le bonus, on ne peut pas mourir. Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai... Ah, j'ai deux vies. Là, j'en aurai au moins... Là, j'en aurai quatre, je pense, à la fin de ce bonus stage. Voilà, j'en ai déjà gagné une. Plus les pommes. Vu que j'en ai... Voilà, bah, j'ai déjà gagné deux vies, là. Trois vies. Ah, ça va, ça se passe. Peut-être qu'on arrivera, quand même. Avec notre manque... Ah, ok. D'accord, le jeu est gentil avec moi. Il se dit, bon, bah, ce mec-là n'a pas de vie. Il n'a pas de chance. Bon, ça, on l'aura pas. Ah, mince. On va quand même faire attention. Attention. Pour l'instant, je crois pas qu'on ait loupé de caisse, mais j'essaye pas. Enfin, les caisses, j'essaye pas trop. C'est genre plus comme ça pour le fun. Bon, on a gagné 4 vies. 4 vies et on a plus de la moitié des pommes pour en choper une cinquième. Je passe par où? Alors d'après vous, on n'est pas en live. Donc pas du tout. Ah ouais, c'est une tête de mort. Ah mais pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Non, tête de mort, ça me fait peur. Dans les niveaux sur... Dans les niveaux sur PS2, c'est les niveaux extrêmes, c'est pour choper des gemmes, des machins comme ça. Mais si je meurs, j'ai peur de revenir vraiment au début. Enfin, pas au début du jeu, mais... Putain. Alors là, on calcule le saut, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? YOLO! Ça me fait peur, ce machin. Ça passe. Et là, désolé vraiment de pas te faire de bruit parce que comment c'est, comment je sais même pas comment je fais ça. La dernière fois je galérais comme je sais pas quoi et là quand j'arrête de, mince, je suis tombé dessus. Bah c'est pas grave, j'ai eu le checkpoint juste avant. Et là je sais pas, j'y arrive. Enfin c'est magique, c'est pas logique mais tant mieux pour moi j'ai envie de dire. Tant mieux pour vous d'ailleurs parce que aussi c'est chiant de voir quelqu'un galérer. J'ai la gemme, voilà, j'ai la gemme du niveau. Enfin, c'est pas les gemmes ça, c'est des diamants je crois. Mince, comment je suis mort? Mon ombre n'est pas au niveau des pics, donc je ne suis pas d'accord. Bon, là, on arrive à faire des trucs, donc on va peut-être essayer de pas crever, donc voilà, parce que genre je faisais genre, ouais, ça se passe bien et tout. Et là, bah non, je décède. Donc ça, je crois que ça s'appelle, ouais, des diamants. Et du coup, bah c'est pas pareil que les gemmes. C'est les gemmes, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'appelle. Après, les appellations du jeu, je ne sais plus. Bon, on n'aura pas fait la deuxième partie, enfin la partie par derrière là, donc on n'aura pas toutes les caisses, c'est impossible. Il faudrait refaire le niveau pour avoir toutes les caisses, un petit, enfin, c'est comme dire, un truc que je vous apprends peut-être, enfin si vous jouez pas spécialement, ou voilà, c'est que des fois il faut faire le niveau au moins deux fois. Voilà. Il y a des niveaux que tu peux faire une fois et tout avoir, d'ailleurs c'est la plupart des niveaux je crois, mais sinon le reste tu dois le faire plusieurs fois. Alors si je tape ça, pas du tout.
pensais qu'il faut rusher là, si j'ai bien compris. Parce que les abeilles, tu peux pas péter les ruches. En même temps, j'ai même pas essayé de péter les ruches tout à l'heure, parce que ça me paraissait tellement logique qu'on pouvait pas les faire. Bon, ça s'est très bien passé ce niveau. Donc j'avais loupé 20 caisses, mais comme je vous expliquais, je sais pourquoi. Après, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment avoir toutes les caisses dans ce niveau? Je sais pas si elles sont comptabilisées ou... Ou alors faudrait refaire demi-tour et faire le niveau... Ouais, ça me bizarre. Ah là, je fais une petite danse de la victoire que j'adore. J'adore cette danse, complètement perverse, complètement pas mignonne du tout. Mais j'adore cette danse. Ah, j'ai pas eu le cristal! Oh non! Oh non! Oh mais non! J'ai fait le niveau pour rien! Ah! Bon, moi je dois me retaper le niveau. Bon bah on fera peut-être que deux niveaux ce niveau. Enfin, normal, je me fais troll par le jeu. Ils auraient pu être gentils quand même, pour me donner le cristal. Je l'ai pas vu, hein. C'est vraiment parce qu'il fallait passer vers la droite qu'on va rush. Ah, on s'en fout des caisses, de toute façon je pourrais jamais avoir le... Là j'aime pour ce niveau, je prends juste des caisses, mince, des caisses aléatoires parce que des fois il peut y avoir des vies, ça c'est rare, mais il peut y avoir au moins des pommes, et des pommes ça sert pour les vies, donc c'est cool. Voilà, voilà, j'ai perdu en 2 secondes mon Aquaku, c'est génial. Mon Aku... Je sais plus qui est, je me rappelle même plus, voilà, c'est mon Uka Uka. Voilà, donc là on esquive, hein, bien sûr, c'était fait exprès, non je déconne, c'était nul à chier. On rush. On gagne même une vie, bah oui, beaucoup trop fort. Et on fait attention, on sait que si on avance trop, on est mort. On va éviter de perdre la Kouakou juste après, quoi. Ah mais non! Là j'ai profité de la frame d'invisibilité pour passer par derrière, je sais pas si vous avez remarqué. Un truc à faire, hein. Parce que là du coup j'étais tranquille. Donc le Uka Uka qui a quand même deux utilités, c'est-à-dire... Ça va te sauver et en plus... Attends, est-ce que je peux refaire le bonus? Bon, allez. Donc normalement, je devrais gagner à peu près 4 vies. Ah non, bah non, c'est aléatoire, je suis bête. Je gagne au moins une vie. Voilà, j'en ai gagné une. Ouais. Merci, un petit lag. Je gagne 2 vies. Donc ça va, ça va. Ouais, donc je disais, ouais, donc il a deux utilités, donc... De te protéger à la prochaine attaque, mais aussi de te donner une frame d'invincibilité. Hein, j'ai perdu une vie. Oh, je fais mourir à cause de ça, mais je suis sûr qu'il y avait une vie. J'ai loupé au moins une vie bêtement. C'est celle de tout à l'heure qu'on a vue. Bon, c'est pas grave. Là, vraiment, le but c'est d'être rapide. Je pense pas pouvoir vous proposer 3 niveaux du coup. Parce que je me suis fait troll par le jeu encore. Parce qu'il fallait que je prenne le chemin de droite. C'est pas grave. On est passé quand même de 0 à 10 vies. Donc je trouve ça plutôt cheaté. Pour un... Surtout qu'on est. Enfin, on s'approche des derniers niveaux du jeu. Ok, donc il n'y a rien par là. Je regarde en haut, on sait jamais. Des fois, il y a des vies, des machins comme ça. Des trucs sympas à cacher, mais pas du tout. Ça se passe. Donc normalement, là, il devrait y avoir cristal. Sinon, on a loupé quelque chose. Voilà. Donc, on a eu la gemme tout à l'heure. Mais, comme je vous ai dit, vu que je ne tryhard pas, vu que je vais pas chercher à finir le jeu... C'est passé quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est rigolo. Ah bah c'est rigolo. Ah bah tiens. Ah quand j'appuie sur carré ça me met... J'ai jamais vu ça dans un seul Crash Bandicoot. Ah bah je suis plutôt agréablement surpris là. On apprend des trucs. Ah c'était rigolo. Allez on se vit. Ah non mais c'est pas logique, hein. Je perds des vies sur les niveaux tout simples, j'en gagne 0. Là je vais dans un niveau compliqué, et là, pas de soucis. Là, si on se prend un seul de ces bumps, on risque de mourir, parce que l'abeille va venir derrière et nous chiquer. Ah d'ailleurs, on s'est pas fait tuer une seule fois par les guêpes. Elles savent voler, mais elles savent pas voler trop quand même. C'est-à-dire, une fois qu'il y a un petit saut, elles veulent pas, c'est... À 95, ah mais, donc peut-être que c'était comptabilisé quand même. Et ouais. Donc si j'avais essayé d'avoir toutes les caisses, j'aurais pu. Et peut-être que les toutes premières que j'ai loupées, ça aurait suffi. J'ai pas fait gaffe. Après, si vous avez fait gaffe chez vous, vous pouvez me dire. Ah, une petite parlotte. Crash, il ne reste pas beaucoup
nouvelle station spatiale. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, mais je sais pas ce que c'est. Crash, t'en supplie. Fais attention. Ouais, pas grand-chose de neuf. Pas grand-chose de très intéressant pour le coup. On va dire que bon, ce jeu est excellent, on va pas se le cacher, mais surtout d'un point de vue gameplay. Le jeu scénaristiquement, c'est pas fou. Et c'est pas la volonté de toute façon de Naughty Dog à l'époque. Naughty Dog qui a su se relever de. Enfin, se relever. Ils se sont dit bon bah on va laisser la série Crash Bandicoot et ils ont fait les meilleures séries de l'histoire, les meilleurs jeux de l'histoire de la PlayStation 3 quand même. C'est-à-dire ah mince, ça ici il n'y a pas de vie. C'est-à-dire Uncharted et The Last of Us. The Last of Us considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Enfin en tout cas un des meilleurs facilement de la dernière génération avant la PS4. Et c'est mérité. On a fait une vidéo dessus récemment, c'est la dernière vidéo qui s'est sortie. Bon allez on go. Pas du tout. On go pas du tout. Ah d'accord, il y en avait deux. Attendez, je mets sur pause 30 secondes. Eh bien, re les gens, j'espère que j'arriverai à bien remettre la coupure. Il devrait y avoir un petit décalage, mais j'espère qu'il sera pas trop... What ? Qu'il sera pas trop what ? Mais non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Attends. Alors, tu glisses. Et après, tu places... Oh, t'es pas sérieux. Wow. Calm down, le jeu. Je veux dire, le jeu est un peu vénère, quoi. Je comprends pas pourquoi il m'aime pas. Faut qu'on m'explique des fois. Bon, un petit bonus stage. Oh là 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 là. Putain, ça commence à devenir difficile, là. Bon, on fera peut-être encore un niveau derrière, je sais pas, je verrai. Eh ben non. T'es déçu. Bon. On va passer tranquille, hein. Le but, ça va pas être d'avoir toutes les caisses et tout. Le but, ça va être de reprendre un petit peu de vie. On en a perdu quoi? 2, je crois, sur ce passage. On a toujours 10, donc c'est bien. Bon, on va essayer d'avoir toutes les caisses aléatoires. Enfin, voilà. Pour tenter d'avoir des vies. Ouf, j'ai eu peur quand même. Bon, on a au moins une vie dans le tas. 2 vies. Nickel. Bon, ça s'est bien passé. On a gagné 2 vies là-dessus. Au même 3. Attends, j'en avais pas 10. Oh là! Oh, l'arnaque! Il fallait vraiment juste s'avancer un petit peu. Voilà, donc là, ça c'est bien. On a compris comment ça marchait. Mais il faut faire attention à tout dans ce niveau. Là, j'ai peur qu'il m'agresse. Ouais, je m'en doutais. Bon, si on fait attention comme ça, ça va passer. Mais c'est vrai que ce niveau-là est vraiment, vraiment compliqué. Bon, ça n'a rien à voir avec l'autre niveau qu'on a fait tranquille. Enfin, je sais pas si l'autre niveau était compliqué ou pas. Ça se trouve, c'est juste que, je sais pas, j'ai eu de la moule. Ou que ce niveau-là, c'est la forme qui m'allait bien. Et ouais, enfin, il y a des niveaux qu'on aime plus ou moins. Hein, enfin, après, ça dépend de notre style de jeu, tout ça. Donc là, ici, je crois que c'est encore une tête de mort pour accéder à un niveau bonus, pour encore avoir un diamant. Mais il faut avoir toutes les caisses pour avoir toutes les caisses depuis le début pour accéder au niveau diamant, je crois. Un truc comme ça. Ça va être un truc du genre. Bon, je vous promets pas que j'ai raison, parce que voilà. Mon niveau sur Crash Bandicoot ne le permet pas. Bon, ça se passe, voilà, on va activer ça, on sait pas, je sais même pas pourquoi je fais ça. Oh ah oui, bien sûr, je fais des trucs de ouf sans vouloir. Bon là, c'était YOLO, hein. De toute façon, c'était le meilleur, enfin, fallait juste passer comme ça. Là, il n'y avait pas de skill ou quoi, c'était, tu spam rond, t'appuies sur croix au bon moment et ça passe. Ou alors, ah mince, j'avais tournoyé, c'est pas grave, on a checkpoint. C'était, c'est pas grave, on a checkpoint, alors on peut se suicider juste après, y a pas de soucis. Le décalage devrait pas être trop trop fort, ou alors j'essaierai d'y remédier, mais je promets rien parce que là ça va jouer à une seconde en fait. Donc si je refais le montage, il faut que je le refasse au moment où, et ça va vraiment être compliqué. Bon là j'active ça, voilà, parce que là on voit rien, donc oh, pas mal de pommes ici. J'attends qu'il tournoie. J'ai vraiment très peur, hein, dans ce niveau. Vous voyez, c'est pas non plus le niveau le plus facile du jeu. Je déteste les niveaux avec la neige dans les jeux vidéo en général. Ouf, j'ai eu peur. C'est parce que c'est pas que je déteste, j'aime bien l'esthétique, tout ça, j'aime bien le côté un peu... Non, je vais pas tenter pour la vie. J'aime bien... Attends.
Mon tonton YOLO. 1, 2, go! Go! Ah bah c'est comme ça. Il y avait une vie, mais je suis pas encore assez PGM pour l'avoir. J'aime bien les niveaux, j'aime bien l'esthétique, j'aime bien le côté. Par exemple, les niveaux avec des robots ou des machins comme ça, ou avec des squelettes, c'est cliché. Mais j'aime bien les clichés des fois dans les jeux vidéo. Parce que ça montre la force du studio derrière, de savoir jouer avec les clichés, de savoir renouveler le genre. Donc Crash Bandicoot, c'est un des meilleurs jeux pour ça. Naughty Dog qui a tout compris au jeu de plateforme avant de faire ça, tout. C'est-à-dire tout est là, toutes les mécaniques, tout est précis, fluide, et ça a son esthétique, ça a son univers, donc c'est parfait. Là, je vais pas faire mon fanboy ou quoi, mais Naughty Dog, de tous les jeux que je connaisse, il n'y en a pas un qui soit pas excellent. Et c'est vraiment un studio que je me suis fait poutrer. Bon, et 16 minutes, on va faire que deux niveaux. À cause de ce fail, au moins comme ça, s'il y a des gens qui veulent avoir les diamants chez eux, ils savent comment on fait. On va dire que ça en apporte un petit peu au let's play, parce qu'au moins on a découvert un petit aspect du jeu. On perd du temps sur notre rush. Ah mince, j'aurais dû tenter de re-sauter. Enfin, j'ai tenté, mais trop tard. J'ai appuyé sur la touche trop tard. Ok, c'était magique. Genre, à chaque fois que j'ai un checkpoint, moi je meurs juste devant parce que je me dis, ouais, c'est pas grave. Ouais, mais fais gaffe quand même, t'es en train de perdre des vies. Hein. Voilà, on va choper une nouvelle vie avec des pommes normalement. Bon, j'étais passé. Alors là, est-ce qu'il faut glisser au bon moment? Je trouve ça un peu risqué. C'est probablement le seul moyen de passer. Voilà. Je suis sûr que le niveau, enfin que la fin du niveau est juste derrière. D'ailleurs, ah oui, on la voit. Je suis bête. Ah non, c'est bon, ça passe. Tout à l'heure, je pensais avoir fait le jump parfait, mais en fait, pas du tout. Ah ben, on a loupé quelques caisses, mais je suis sûr que si on avait essayé, on aurait pu. Hein. Ça se joue pas tant que ça par rapport aux caisses qu'on a ignorées. Enfin bref, bon bah c'est un bon niveau, un niveau sympa. Bon, l'épisode du coup un petit peu ruiné par mon manque de skill, enfin par le fait que j'ai pas eu le cristal. Il nous reste encore deux niveaux et un boss. Est-ce qu'on arrivera à faire ça dans une vidéo d'un coup? Je ne sais pas. On verra bien. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut tout le monde.